Eh bien, bonjour à tous ces amis, c'est Dark Angel 1462, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans l'horreur de Silent Hill, nous allons nous engouffrer dans l'horreur, le cauchemar, tout ce que vous voulez. Et nous repartons, donc nous avions visité la deuxième église conseillée par Dahlia. Nous nous sommes fait emporter dans le monde altéré, et nous avons rencontré Lisa qui nous a expliqué des choses avec de la drogue, des trucs comme ça, un culte. Et on se réveille dans la deuxième église en mode monde du cauchemar. Et donc là, nous devons retrouver Lisa pour retrouver notre fille qui se trouve au lac, mais on doit trouver un chemin. Alors par contre, là, voilà. Alors là, par contre, pour se repérer, c'est la grosse merde parce que la carte ne sert quasiment plus à rien vu que ça va être bouché de tous les côtés. Donc il faut que je trouve le chemin, que je ne vais pas trouver d'un coup, je pense. En tout cas, déjà, c'est tout droit. Non. Vite, on se casse. Il y a l'autre macaque là derrière là. C'est pas par là. Par où je peux aller? Par là. Oh là, la chance. Va falloir couper à travers les magasins. Les magasins de l'horreur. On va fouiller voir s'il n'y a pas des petits trucs à récolter quand même. Ouais, on va devoir monter. Pas trop le choix. Ah, encore ce logo qu'on avait vu à l'école dans le monde altéré au sol. Si c'est les sortes de singes là qui me bouffent, je les dégomme aux pompes, hein, direct. Je cherche à comprendre. Hein. Là-bas ou quoi? Alors, je fouille en même temps pour voir si je peux pas trouver des munitions ou un truc, hein, parce que. D'accord, c'est les cafards qui sonnent. C'est bon, je me souviens de cette partie. Voilà. Il faut absolument passer de l'autre côté. Et on va faire Mumuse. Voilà. Et là, on va vraiment s'amuser. On va changer d'arme. Voilà, ou couche du goulasse. Alors par contre, voilà, si vous faites ça, ne vous sauvez pas, pensez à récupérer, regardez, un magasin de fusils. Ça c'est le big fusil. Celui-là il fait très mal. Ça pour la fin du jeu c'est excellent. Alors on va changer d'arme quand même. Alors malheureusement je n'ai pas encore... Oh, je suis blessé. 11-3, oh, je suis large en soin, c'est bon. Je suis vraiment large, à part, ouais. Fusil contient jusqu'à 6 balles, il est plus puissant aussi. On va le garder pour après. Allez, où t'es? T'es où? Montre-toi. Ah punaise, ah oui, il attaque comme ça, c'est bon. Je vais rester sur la grille. Je peux pas venir sur la grille, logiquement. Mais pourquoi il fait à l'envers? Attendez, pourquoi il tourne à l'envers? Il est bête ou quoi? Oh là là, je suis en train de...
Qu'est-ce qu'il me fait, le petit Harry, là? Il a fumé la moquette ou quoi? Hop, logiquement, il va revenir. Oh, punaise. Mais reviens. On va essayer d'économiser les balles. On va repasser au pistolet quand même. Je tiens quand même à mes cartouches. On va y aller comme ça en reculant. Hop là! Ah, tu l'as pas vu venir, ça. Hop là! Harry, peux-tu apprendre à viser, s'il te plaît? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il fait ça? Mais il prend son temps, mais tu peux pas te dégainer à mort? Ouais, évidemment, il était derrière. Est-ce qu'on peut le buter, s'il te plaît, Harry? Mais non, pourquoi il tourne à l'envers? Oh, c'est bizarre, ça. Les trucs chelous, le Harry. Comme d'habitude, pourquoi il veut pas? Bon. Autant dire qu'il m'a saoulé. Une balle. Je m'accorde une balle, mais bien placée. Viens me voir. Oh, allez. Le loupe pas, toi, espèce d'idiot. Ah, punaise, si c'est ça. Putain, même pas, il crève. Eh ben, il est temps. Oh, le sac à PV, le machin, là. Merci, sorti. Il s'est barré? Je me souviens plus qu'il se barrait. Ah, le trou qu'il fait quand même, il est petit, mais ça va. On se casse. Alors, où est-ce qu'on va réapparaître? Ah, je suis carrément de l'autre côté. On va essayer d'aller sur ma droite et à fond. Allez, c'est reparti. Oh là là, oh oui, oh non, passe-passage, oh non, on va se taper plein de bestioles. Où suis-je? Allez, arrive-moi le plan. Ok, on continue tout droit, on va tourner à gauche après. On est déjà à gauche? Parfait. Et c'est un cul-de-sac. C'est un gros cul-de-sac. Oh là là, il va me choper l'autre. Il va me choper. Ok, gros cul-de-sac. On se casse de là. On passe par là. Il faut souvent regarder la carte dans ce monde-là parce que c'est compliqué. On va essayer de tourner à gauche ici. Oh punaise, le chien. Dis-moi que c'est bon. Non, encore un cul-de-sac, tu rigoles. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Ou pas, ou pas. Ici, ici, plus de sac. Punaise. On va retourner à gauche alors. Normalement, ça devrait être bon là. L'hôpital n'est pas loin.
Raté. Tiens, tu l'as pas vu l'esquive. Hein. Alors, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Dis-moi que c'est bon là. Oh là là, oh là là. L'hôpital. Ouf. Nous revenons dans ce bordel délabré et dégueulasse. Toute façon, on l'a fouillé, donc ça doit être bon. J'ai rien à faire là-dedans, ça c'est sûr. Je me souviens de ce qui se passe après. Heureusement pour moi. Harry. Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. Be back as soon as I find my daughter. Harry? Allez. Alors, nous devons aller à l'école. À l'école. Vous avez compris, nous allons devoir prendre l'inspection des canalisations, ça veut tout dire. Bienvenue dans les égouts, comme tous les jeux. Hop, un seul chemin, tout a changé. Voilà, tout est barré, c'est normal. C'est nouveau. Merde, pourquoi je joue le plan? Fait chier les munis quand même. Allez, allons-y. Allons casser des têtes. Vous vous souvenez de la petite chenille qu'on a laissé se barrer là? Et ben voilà ce qui s'est passé. Par contre, niveau balle, pas se foutre de ma gueule non plus. Est-ce qu'il y a des munis dans le coin? Je crois pas. Que tu peux mourir s'il te plaît.
Ok, il veut pas mourir. J'ai plus de balles. Punaise! Il lui faut combien de balles pour crever? Tiens, je vais tout te donner. Non. Encore mort. Oh. Punaise, il m'a niqué toutes mes balles. Voilà, donc c'était forcément le petit ver de terre qu'on a laissé s'échapper, qui s'est transformé forcément en grosse mythe, en papillon de merde. Voilà, nous sommes de retour à la normale. Je n'ai plus de balles. Et bon, on va y aller au marteau. Ça fonctionnait tellement bien. Il n'y a pas de munitions, c'est sûr. Ça, je me souviens très bien. Donc, on va devoir aller à l'école, du coup. Et dans ce monde, c'est pas plus mal. On ira beaucoup plus vite. On va essayer de fouiller en même temps la ville, voir si on n'a pas des balles sur le chemin, parce que les soins, c'est bon. Alors, des balles, on a zéro. Oh putain, ils sont encore là, eux. Non, la station de police a été fermée. Ah, ils sont apparus dans ce monde-là, eux. Mais c'est affreux. Allez, on va à l'école. On change de carte. On passe de l'autre côté de la ville. Voilà. Ah bah il m'y emmène direct. Ah ok. Bon, encore mieux. Oui, c'est ce dont parlait Lisa. Et ben, allons-y gaiement. Oh, que c'est dommage. Regarde bien. Tiens, ton cadenas, là, moi je te le pète. Pardon? Il n'est pas encore... Attends, ouais. Tu rigoles? Voilà. Alors, l'entrée, c'est là. Est-ce qu'il y a des choses? J'ai pas l'impression. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce que j'espère retrouver des soins en dessous, alors? Allez, on arrive un peu au dernier. Dernier lieu du jeu avant d'attaquer la fin. Et oui, déjà. Je pense qu'il y aura encore deux vidéos après, je pense. Je pense au moins deux. Ouais. C'est assez long. Le dernier truc est vraiment très long. Alors, on n'a pas la carte, bien sûr. Pour l'instant. On est dans les égouts. On va essayer de se repérer comme on peut. Tu oses me déranger. Oh putain. Putain, mais lâche-moi. Rien. Pourquoi ma radio elle marche plus? Ah, ça marche pas? Tu rigoles? Mais non. Mais non, bon, on va se barrer, cherche pas. Faut vraiment que je trouve des balles quand même pour pouvoir essayer de me défendre. Putain, je les avais zappés, c'est quoi ces merdes? Oh là, soin, soin, soin. Je suis dans le rouge, je suis dans le rouge. On se prend une grosse trousse. Première du jeu, pas mal. Ah, 100 balles, je vais en laisser des trucs.
Je vais en laisser de la santé. Mais dégage le cafard. Putain, mais il me fait chier. Alors, je ne sais plus où je vais pour l'instant. On fouille, hein. Pour l'instant, je vais longer un seul côté. Je vais bien voir ce que ça me donne. Ah, déjà des balles. Ah oui, des balles fusil en plus. Ah oui, carrément le fusil. Putain, tu me fais chier, toi. J'ai pas envie de gaspiller des munitions de fusil pour sa tronche. Oh oui. Oh, régalez-moi. Bon, les soins, je m'en fiche un peu. C'est pas mal, c'est pas mal, ça, déjà. Ça fait énormément de bien. On va essayer de tout recharger. Oh. On va commencer. On va prendre le pistolet, hein, donc, tranquillement. Si c'est pour les cafards. Petit cafard de merde qui me fait chier. Il faut que je me le fasse parce qu'il va me faire chier jusqu'au bout, je sens. Mais non! Mais Harry, t'es vraiment qu'une grosse bille, hein. Oh, voilà, là, le deuxième. Oh, je suis orange, tu rigoles. Tu rigoles. Allez. On sauve, on essaie de le dégommer. Allez, viens me voir. Tiens. Allez, prends ça. Tu l'as pas vu venir. Alors, ici, y a rien, ok. Je crois qu'on aura le plan, mais un peu plus tard, hein. Il y a des trucs là, sérieux. C2. Ok, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. C2. Ah, une porte, cool. On peut entrer. C2. Où j'aille où derrière? Moi j'ai l'impression qu'il faut aller là, franchement. Oh là là. Ça va s'y perdre le machin là. Ah non, ça c'est bien, il fallait que j'y vienne. Parce que je crois qu'il fallait me prendre une clé. Voilà, carte des égouts déjà. Ah bah voilà, ça déjà, ça sera déjà pas mal. Il y a des clés là, non? Voilà, la clé d'égout, il me la fallait. Bon, il y avait une sauvegarde, mais on s'en fout pour l'instant. On est où? Ok, on est au bout. L'objectif. C'est où? Je viens d'où, moi? Je dirais bien que la sortie, c'est en bas. Je dirais. Hein. On va essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre, là. Ah. J'ai déverrouillé, donc. Ça tombe bien. Oh, putain, j'ai vu au plafond. Il y a un truc, là. Tiens. Je suis là, hein. Putain, il attaque d'en haut, salopard. Ah, je reviens au C2, ok. Oh punaise, j'ai horreur de ça, moi. Oh, attends. Qu'on essaye de retrouver. Ça se trouve, je viens de tout droit, moi. Faut que je bifurque. C3, ouais, je dirais bien par là, voilà. Je dirais bien qu'il faut que j'aille par là. Ok, on est bloqué. Les égouts dans les jeux vidéo, c'est toujours magnifique. Hein. C1. Je vais passer au C1. Ok. On va voir un peu au bout ce qu'il y a. Ah, une peau-porte. Ah! 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 Peut-être une bonne nouvelle. Ah! Peut-être trouver la sortie des égouts en fait déjà. J'ai déjà passé les égouts. Non. C'était plus long dans mes souvenirs. Ah punaise. Est-ce que tu peux juste essayer de frapper Harry normalement? Putain, bon allez. On va se soigner, on va se barrer là.
Ah, je prends, merci. Oh, plus saloperie de cafard. Je suis déjà arrivé? Non. J'ai oublié des trucs, c'est pas possible. Pourtant, non, j'ai rien oublié, rien à prendre dans les égouts. Je comprends pas. Pourtant, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On va arriver sur une nouvelle map de Silent Hill, c'est vrai. Encore une autre map. Quoi, il y a encore des plans? Ah oui, d'accord. Je me disais aussi, c'était plus long. D'accord. Bon, on va essayer de faire le malin. À gauche, il n'y a rien. On va aller à gauche. À tous les coups, j'ai une clé ou une connerie. Ça me paraît évident. Ah bah non, c'est barré. Ok. Donc du coup, la seule solution, soit je prends à droite, soit je prends tout droit. Je serrais bien à droite, moi. Ah, ça y est, là, les copains. Tu peux me laisser passer le temps que je vous dégomme. Merde. Économie de balles, putain, les gars. Je suis obligé. Mais pourquoi il n'y arrive pas? Mais dégomme-moi ces merdes. Pas possible, Harry. Où est-ce que t'es prêt à taper là? Putain, merde. Oh là 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 là. Alors, je suis où? À droite alors. Ah, il y a un bruit. C'est un peu ça que je reproche au jeu maintenant en vieillissant, c'est que voilà, le niveau gameplay, c'est pas ça quoi. Gameplay, c'est beaucoup mieux Resident Evil. Parce que le gameplay, voilà, c'est. Regarde la caméra, le machin. Ok, la caméra suit, mais bon. Le personnage est rigide, etc. Enfin, vous me direz, ceux de Resident Evil aussi sont rigides, mais moins que lui. Par contre, niveau ambiance, je préfère celui-ci. Après, les deux jeux se valent, hein. Je dis pas, je suis pas là pour trancher entre Resident Evil ou Silent Hill, mais les deux se valent, sachant qu'il y en a un, voilà, lui fait bien peur par son ambiance, et l'autre, c'est des zombies, mais il est plus intéressant niveau gameplay, énigmes et tout. Bon, même si lui, il a des énigmes. Mais... Ouais, non, non, il y aura peut-être encore deux ou trois vidéos, ouais, trois vidéos peut-être, parce qu'en fait, il y a encore pas mal de choses maintenant que j'y pense. Putain, saloperie de cafard. Alors, où je vais? Là, il y a une porte. Est-ce que je peux y aller? Je ne sais pas. Bah, j'ai l'impression. On va essayer d'y aller, sauf s'il me faut une clé. Ben... Allez, on se casse, s'il faut une clé. Que je n'ai pas. Que je n'ai pas du tout. Que j'aurais peut-être ici. Ah bah tu vois quand tu veux, petit Harry. Dégomme-moi cette merde. Ah. J'ai trouvé, je pense que oui, j'avais un bouton, faut le maintenir pour qu'il tape comme ça en fait. Ok, ben bah voilà, on est mieux. Alors ici, il n'y a rien. On va faire toutes les voies de gauche, tiens. Gauche. Gauche. Bon, je pense que droite, ça va être la même. Il faut que j'aille là, sûrement. Oh là. Je sais, j'ouvre beaucoup la carte. Je dis, ah, la clé doit être tout au bout. Ok, j'ai compris. Cherchez pas, les potes. La clé est vraiment tout au bout du chemin. Oh, la caméra change d'angle, j'aime pas ça. Ouais. Ah si, elle est là sur un cadavre ou je sais plus quoi. Ouais. Voilà. Par contre, on se barre. Harry, s'il te plaît. Harry, on va crever.
Oh, ils sont partout. Ok, ils ont décidé de faire chier. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Non, je pensais que la fin était bientôt là, mais non, non, en fait, il y a quand un truc à faire, c'est vrai. Il y a encore des endroits qu'on n'a pas fait et qui sont vraiment primordiaux. Pour le bon déroulement du jeu, j'ai envie de dire. Oui, hop, 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 mauvais. Ouais. Allez, on y est. La sortie! Je prends pas le mur! Marie, mais t'es vraiment nul. Ah, j'ai du mal à le diriger, franchement, il est comme ça. Allez! Putain, je vais crever comme un connard. Il y en a encore. Hop! Ah non, c'est une sauvegarde. On ne sauvegarde pas tout de suite. Pas besoin, pas encore. Voilà. Donc on n'a pas la carte, c'est normal. Ici. Ici, il ne faut pas se louper, je crois. Il y avait des balles quelque part. Voilà, il y a des balles partout. Je vais m'en faire une santé. Non, c'est derrière. Attends, attends, attends. Moi, je viens de là. Ici. Oh oui, j'ai bien fait. Voilà. On n'aura plus ces putains de cafards. Oh là là, vas-y, tu me régales là. Encore les soins, je vous ai dit, c'est pas ce qui m'inquiète. J'ai des ampoules en plus. Alors. Plan. Ah bah voilà, il y en a un là. Une carte de la région touristique. Voilà, donc là, il y a le... On est en haut à droite normalement, voilà. Ici, Sandford, le lac et le phare. Il y a le Bardani, l'Indian Runner. Et bah allons-y. On va visiter un peu tout ça. Il y a un motel et tout. Un bar. Ça me fait plaisir, j'adore. Alors, je suis sur un parking, ok. Les monstres, on a fouillé là, coucher le chien. Alors y a vraiment rien ici. Burger, non, on peut pas y aller. Ça, je suis prisonnier chez McDo, aidez moi. Ok, alors voyons voir. On va aller à gauche, on va aller à l'Indian Runner. Non, là, à Nice Bar peut-être. On va aller à Nice Bar. Non, Indian Runner, c'est gauche. Ah. C'est sur la droite. C'est ça l'Indian Runner. Ah, j'ai pas le code. Et il y a l'autre, putain, c'est un singe, le machin. Alors, déjà, il me faut un code. Putain, mais dégagez. Bon, on va aller à Nice Bar. On va aller chez Annie. Bah, c'est tout droit. Si je continue, c'est par là. Oh là là, je tire tous les ennemis. C'est par là. Laissez-moi les picoler. Oh putain, un labyrinthe, non? Putain, mais c'est où? J'ai fumé ou quoi? On va reprendre la route tout droit, attendez. C'est un petit parc.
Ah, le bar, c'est là. Putain, sur ma droite. Ah bah c'est là. Non, c'est Kaufman, hein, le mec de l'hôpital. Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Alors, fouillons un peu donc. Passage primordial pour avoir la vraie fin. Par contre, là, c'est la vraie fin. C'est pas le plus ou le moins, c'est la vraie. Donc, c'est vraiment obligé de sauver Kaufman. Et en plus, il y a d'autres choses à faire à côté. Donc, alors, verrou fermé. Ah. Kaufman, portefeuille. Clé de Kaufman. Il y a un reçu 0473. 0473. Attendez, je vais en profiter. La clé Kaufman, c'est quoi la clé Kaufman? Un 3 est inscrit. Donc c'est sûrement le motel. 0473. Motel numéro 3. Plan. Bon, de toute façon, vous retournez à l'Engine Runner qui est derrière moi. Donc c'est par là-bas. Oh, pas eux, pas eux, pas eux. On est d'accord, j'y suis là. Ah! Non, c'était pas là le cadenas. Oh putain, non, on dégage! Je m'éloigne. Punaise, je me perds. Mais non, je suis pas du tout à l'Indian Runner là, qu'est-ce que je dis? Oh là là. Je suis paumé. Ah, attendez. Là, route de gauche. Je vais toujours tout droit. Normalement, j'y suis sur la droite. Ici. Non. On dirait bien que c'est là, non? Un parking. Mais non! Vous savez quoi? Je vais prendre une ampoule. Oh non, c'est bon. Indian Runner. Ok, j'y suis. Oh putain, mais... Arrête de me prendre en levrette, lui. Hein.
Où sont ces putains d'habitations? Je suis dans un parc, putain, mais je suis... Mais c'est pas possible! Mais je m'éloigne. Attendez, ah non, 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 attendez, Injano. L'hôtel, il est là. Et par contre, tout à l'heure, en effet, j'ai bien... C'est en dessous. Tout à l'heure, par contre, j'avais bien un cadenas 0413 quelque part. Ah non, l'hôtel, il est... Ah ouais, non, non, il est là-bas. Là, c'est le motel. Alors, le 3, c'est lequel? 2. 3. Ed Kaufman. Ah, alléluia. Donc, on est dans la chambre de Kaufman. Ouais. Le meuble est bizarre. Alors. Une clé. Mais non, je peux rien faire ici parce que il faut que j'aille là où il y avait le code 0413 parce que j'ai des objets à récupérer pour choper la clé. Donc j'ai bien fait de venir, mais c'est pas encore maintenant. Attendez, là c'est le 3, on est d'accord. C'est quoi, c'est l'accueil, non? Ok. C'est pas encore ici. Oh punaise! Voilà, on est saoulé. On abrutit. Ah bah attendez. Ouais, c'est là. Non, non, c'est pas là. Ou alors. C'est pas ici. Faudrait que je remonte ouais, vers le Bardani. J'étais pas très loin tout à l'heure, il y avait un cadenas. C'était là-bas. Ouais, c'était par là-bas. Voilà. Écoutez, on va se laisser au bar, je pense. On a pas mal avancé à nouveau. On va faire une petite sauvegarde là. J'espère que vous avez aimé cette partie. En tout cas, on est sorti du monde de l'horreur. Nous sommes à la recherche de notre fille près du lac. Nous sommes près du but, mais nous sommes en train de faire quelque chose d'important pour récupérer la vraie fin du jeu. Donc, on n'a pas trop le choix. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Mettez la petite cloche aussi. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye tout le monde.